Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous présenter le nouveau projet de la cellule environnement. Donc, on a invoqué avec l'éco-team le projet de faire un potager et d'acquérir une machine à compost. Donc, on a eu la subvention et on a pu acheter la machine à compost ainsi que les bacs potagers. Donc, on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Il va être mis en place en début d'année 2019, ici sur la terrasse et dans le local social du 5e étage. Par cette initiative, on souhaite faire baisser le poids des poubelles, également valoriser et réutiliser les restes qui sont jetés lors du repas de midi. Et on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et surtout la machine. Donc, une fois que vous avez bu votre petit thé ou mangé votre repas, vous pouvez mettre ça, le reste que vous n'avez pas mangé, dans le bio-seau. Moi, je vais me charger de regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Ensuite, je le mettrai ici dans notre machine automatique, qui est ici. Je vais juste verser ceci dedans. Et voilà. Ensuite, je vais juste ajouter un mélange de petits copeaux de bois avec le bicarbonate de soude. Et voilà. Voici la liste des ingrédients qu'on peut mettre et ne pas mettre dans le bio-seau et la machine. Et elle fonctionne automatiquement, il ne faut pas du tout y toucher. Ici, il suffira, je vais juste la mettre en route et ensuite, une fois par semaine, je me chargerai de faire transférer le compost de la chambre de décomposition vers le petit bac. Et environ en 48 heures, on obtiendra un compost qui est déjà assez décomposé, mais on va le laisser... On le laissera dans le tonneau à compost qui se situera sur la terrasse pour qu'il prenne un peu plus de maturation. Et ensuite, on le déposera sur les bacs potagers pour faire pousser les plantes aromatiques et les fleurs qu'on y mettra. Voilà, donc si vous êtes intéressé par le projet, on a besoin de vous pour vous occuper du potager et des petites fleurs, de l'arrosage et de l'entretien régulier. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, contactez-moi.